Mais le fait de pouvoir être à proximité d'une grande ville puis en même temps avoir ce qu'on a ici, là, c'est incroyable. Je vais aller à Montréal pour un week-end, mais j'ai hâte de revenir. C'est bon, ça. Les notes sont mises. On est parti. Bye bye, la belle! Donc là, on s'en va changer notre écolo 4 roues pour notre écolo 2 roues. Le vélo! Première rente d'Outaouais. Ça va faire une ride de vélo. Est-ce qu'il paraît c'est un beau spot pour ça? Ça tombe bien parce que le vélo, c'est un sport que j'ai quand même découvert pendant la pandémie. J'ai mon petit kit pour être sexy, un peu dad, évidemment. Puis on va échanger. Let's go. On va attacher ça. Un casque, ça saute des vies. All right. Ça va, ça fait chaud. C'est malade ça. Prochain arrêt, on est reparti. Donc à Chelsea, on s'est rencontré Manuela, aka Manu, une genre de pionnière de la place qui a revitalisé le village. J'ai beaucoup entendu parler d'elle, fait que là, j'ai hâte de la rencontrer pour vrai. Allô, Manuela, enchantée. Salut, François, comment ça va? Bienvenue à Chelsea. T'as choisi la journée parfaite pour venir faire un tour. Moi qui connais aucunement le coin, pourquoi t'as décidé de choisir Chelsea en particulier, tu sais? Ben moi, je viens d'ici, je viens du coin, et je voyais bien qu'il y avait un potentiel, il y avait quelque chose à faire là. Comme ça, par exemple, ici, là, c'était abandonné, là. C'était une petite maison, toute petite. On avait comme un besoin de mettre un peu plus d'amour dans la place. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à investir. Puis t'es comme un peu recréé un esprit de village en partant d'une place puis en multipliant un peu l'idée que t'avais. Moi, en fait, là, quand j'entends les gens dire qu'ils sont ici, puis qu'ils sont en vacances, puis qu'ils aiment ça, puis qu'ils sont bien, juste ça, là, ça crée toute ma fierté, là, puis je me dis qu'on a fait les bons choix. Là, là après tout ça, là, t'es bien établi ici, tout le monde te connaît. La prochaine étape, c'est la mairie. Non. Eh bien, merci, c'était vraiment le fun. Là, je vais ramener la pizza. Je pense que l'équipe va être contente, right? Oui. Parfait. Ils ont faim. Puis, ben, je suis vraiment contente de vous avoir reçu. Merci. Plaisir. Petit café, petit déjeuner, petit lac. On va repasser ici, Wayfield. Oh, qu'on va repasser ici! Oh, oh! Hey, cheers à cette première journée en Outaouais. J'ai hâte de voir ce que demain nous réserve. Bon matin, jour 2. On va chercher un petit café pour commencer la journée. C'est le spot, on dirait. Salut, ça va? Pour ceux qui l'ont rebâti après une couple d'années plus tard. Dernier arrêt de notre road trip en Outaouais, on s'en va à Kenok Nature. Kenok, qui est un diminutif d'un mot d'origine algonquine qui veut dire tortue. Fait qu'on va aller voir ce haut lieu de réserve naturelle, de préservation de la nature, puis on va aller tirer du gun! Voilà!
vrai de vrai. Prochaine étape, le gun. Sur l'épaule, je pense que c'est la meilleure façon de transporter. Vide de cartouche. Okay. Ah, ça? Oui. Autre côté, puis on met un peu de poids en avant. Bon, toute bonne chose à une fin, c'est l'heure de troquer la nature pour les cônes oranges. Ben oui! Oh, que je m'en sors dans un petit cornet, là. Oh, pelle! La poutine va être bonne, les amis! Fait que ceux qui me suivent depuis l'épisode 1, vous savez, la tradition, on finit ça toujours avec une bonne petite poutine. Comment qu'on la prend? Sur sa part. Allô, ça va bien? Bien, j'imagine. Fait que la conclusion de cet épisode 2, moment de vérité, les doubles sauces à part. Comme un arc-en-ciel, ça va bien aller, mais version poussée. Santé. Pas déçu. Merci, l'Outaouais.